Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du coup de notre aventure Menez votre pays. Et souvenez-vous, on était tombé face à la France en huitième de finale. Du coup, ça va être très compliqué de prendre sûrement le favori de cet Euro en huitième de finale. Est-ce que l'aventure va s'arrêter aujourd'hui? C'est la grande question. Juste avant ça, on va s'entraîner et encore juste avant ça, je vais vous demander de laisser un like, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos si mon contenu vous plaît bien sûr, sinon c'est pas grave. Et l'on va partir directement pour la séance d'entraînement, on va en avoir besoin parce qu'avec 70 de général face à Mbappé, ça risque d'être très compliqué. Je pense qu'on va se faire les tirs de toute façon, tout revient au même. Ouais, je vais me faire ça vite fait et on se retrouve. Les gars, du coup, on avait déjà trois styles de jeu et le quatrième, on avait dit, je pense qu'on prendrait extérieur de toute façon. Rien de plus intéressant, je pense. On va se le prendre. Et voilà, on espère que ça nous servira. Si on marque en extérieur, c'est un signe. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir les actualités? Je sais même pas. J'ai pas l'impression. On peut juste jouer le match, on va juste voir au niveau classement. Du coup, voilà les huitièmes de finale. L'Allemagne a gagné 4 buts à 1 face à l'Albanie. Et l'Écosse a perdu 1-0 face au Danemark. Et du coup, ça va être à nous de rentrer en piste face à l'équipe de France. Les gars, va falloir se la donner. Allez, on est parti, on perd pas plus de temps face à l'équipe de France. Voici notre équipe, composée des meilleurs sûrement. Va pas falloir faire n'importe quoi. Huitième de finale au Colón Stadium. Regardez-moi cette équipe. Il y a du Dembélé, il y a du Mbappé, il y a du Giroud, je les ai vus. On va essayer de voir leur compo. Si c'est possible, je vais essayer de pas passer. En tout cas, l'équipe de France comme ça, il est magnifique, je trouve. Bon, on peut pas voir la compo, mais en tout cas, on est parti face à l'équipe de France. Il y a de l'ambiance, il y a les supporters en face, et il y a une qualification à aller chercher. C'est parti. J'ai l'impression que ça déroule vite avec cette première occasion. Oh là 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 là, Dembélé qui a failli nous clouer le bec. Oh, attention à la contre-attaque. Théo Hernandez très rapide. Oh non. Oh, on va l'encaisser. Oh, on va l'encaisser ce but. Et ouais, on n'est pas dedans. 10 minutes de jeu. Et déjà un 0. Théo Hernandez qui vient marquer. Quelle accélération il a lâché. Là, il s'est fait manger. Carvajal, il n'y a rien à dire. Il n'y était même pas de toute façon. Eh ben, ça commence fort, les gars. Ah ouais, non. La charrette de Rodri. Enfin, je sais pas si c'est Rodri, mais en tout cas, c'est chaud. Bien joué. On va sur le côté. Et c'est bien fait. C'est bien fait. Allez, je vais la tenter, je pense. Je vais la tenter, je pense. Et je trompe le gardien. Le numéro 9 espagnol. Jeffreys. Qui vient clouer le bec lui aussi à son tour. Bien joué. On égalise direct. Hein. Ça fait plaisir. J'ai failli me faire bouger niveau physique. Je crois que c'est Koundé. Et là, la frappe du droit plein milieu. Le gardien qui nous la donne. On va pas se mentir. Je me suis dit, j'envoie une patate de toute façon. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas de très bonnes stats. Et c'est passé. Un but partout, les gars. Longue ligne. C'est passé. Pourquoi pas? Je crois que c'est face à Upamecano. On va revenir un petit peu parce que sinon on allait être mort. Là, là, ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il fait? Bien joué. La petite passe. Aïe! Oh là là! Incroyable! Incroyable ce qu'on voit là. Eh ben, si on gagne comme ça. Et en plus, c'est moi qui s'élève. N'importe quoi. Oh, c'est quoi ce but gag? Huitième de finale. Oh là 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 là, sur quoi on prend l'avantage? On va revoir ça. Je l'avais mis ce côté droit à Asensio, ça s'est pas fait. Là, c'est précipité. Je sais pas si c'est Samba. Ouais, Samba, c'est ce que je me disais. Et après, but contre son camp. Ah, c'est du délire. Hein. C'est du délire sur quoi on prend l'avantage. Mais écoutez, on va pas s'en plaindre. Merci à Luca Hernandez. Ok. Fin de la première période. Pour le moment, les gars, on est qualifiés 2 buts à 1. C'est peut-être pas les plus beaux buts du monde qu'on ait mis. Mais l'important, c'est de gagner. Et pour le moment, on le fait très bien. Donc, on va continuer. 45 minutes encore. Faut se donner à fond. Encore Théo Hernandez qui nous fait vraiment mal sur ce côté. C'est décalé pour Rabiot. Et quel arrêt. Cette fois-ci, de Kepa, bien joué. Attention encore à Théo Hernandez. Qu'est-ce qui fait mal avec sa vitesse? Je vais essayer d'aller défendre. Oh là là, face à Mbappé, ça va être dur. Quelle passe il trouve là, et Dembélé qui vient égaliser.
Ça fait trop de fois là que Théo Hernandez se balade dans notre défense. Faut vraiment faire quelque chose parce qu'il fait un bien fou à l'équipe de France, mais nous ça nous fait très mal. Là, la belle combinaison Mbappé qui trouve bien Dembélé. J'ai essayé de les aider, mais c'était pas assez. Allez, ça va être dur. Non, Dembélé de loin. Non! Oh l'erreur! Mais l'erreur, mais c'est pas possible! Mais dégage ce ballon! Pourquoi il lui remet dessus? Oh non, on n'a pas le droit. À 15 minutes de la fin, on est plus proche de l'élimination cette fois-ci que de rester sur la scène européenne. Je comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi ne pas la dégager? Il est perdu. Il nous reste 17 minutes pour changer le cours de l'histoire. Allez, long de ligne, je suis passé face à Lucas Hernandez. Faut maintenant accélérer. Faut maintenant accélérer. Allez, en retrait. En retrait encore. Oh là 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 là. Non, Mbappé. Oh là là, Mbappé. Oh là là, Mbappé. C'est moi qui lui remets en plus. Quelle erreur. Je comprends pas. On a ultra offensif, j'ai été seul devant. Je comprends pas. Comment ils veulent marquer? Oh là 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 là. Peut-être au moins mettre le 4-3. Pourquoi pas Oyarzabal. Gavi derrière. Corner, malheureusement, c'est terminé. C'est quoi ce corner? Mais c'est pas possible. On est donc éliminé, les gars. On n'a pas eu l'adversaire le plus facile, c'est sûr. Mais franchement, on a fait n'importe quoi. Quelle erreur de la porte. Encore une fois, il y a trop eu d'erreurs des défenseurs dans cette compétition. Et donc, on sort face à la France qui jouera, elle, contre le Danemark. Franchement, on aurait pu vraiment aller très loin derrière cette qualification. Parce que le Danemark, je pense qu'on aurait gagné. Ensuite, ça aurait été Portugal-Italie ou Pologne-Belgique. Donc, il y avait large moyen. C'est dommage. Mais bon, écoutez, on peut rien faire d'autre. Attention, les équipes sont éliminées de la compétition. Ok. Ben, fin de la compétition. Je sais pas ce que ça va nous faire. Ok, rien. Bon, ben voilà, les gars, ça se finit plus vite que prévu, malheureusement. Pas de chance au tirage et pas un niveau assez bon pour se qualifier. Malheureusement, avec 70 de général, c'était compliqué. Je pensais que ça allait plus m'équilibrer mon joueur, mais ouais. C'était dur. Ok. Ben au moins on aura testé ce nouveau mode. J'espère quand même que l'aventure vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.